dès lors qu'on redonne au mot valeur son sens originel, valor en latin qui veut dire la force de vie, qu'est-ce qui, dans la situation présente, du point de vue des forces vives, du point de vue des valeurs en tant que force de vie, c'est-à-dire du point de vue de l'éros face à Thanatos, parce que le mot valor en latin est fondamentalement le même que éros en grec. Le fait de pouvoir dire un autre monde est possible débloque l'imaginaire. Et si nous travaillons sur les forces créatrices, sur l'éros du nouveau monde qui est en train de naître, l'énergie amoureuse est un élément fondamental de tentative de sortie par le haut de la série de crises dans laquelle nous sommes rentrés. Les changements de posture sont déjà à l'œuvre. Que ça n'est pas simplement qu'un autre monde est possible, qu'une autre manière d'être au monde est déjà là. Alors à ce moment-là, effectivement, on a les éléments d'une stratégie alternative à l'impuissance et à la peur et qui se fonde sur l'éros, sur la créativité, ce qu'on appelle souvent en rigolant la stratégie érotique mondiale.